Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va au Grand Prix historique qui se déroule au circuit Paul Ricard. C'est incroyable, j'ai trop hâte. J'ai attendu ça toute la semaine, en plus là c'est les vacances, c'est incroyable. Donc hâte de voir ça. On a une petite journée bien belle, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de tout vous montrer ça. C'est parti, j'espère que vous allez kiffer. J'essaie de faire aussi quelques photos, j'ai pris l'appareil photo, j'ai tout pris. Voilà. Donc on se retrouve lorsqu'on est sur la route ou lorsqu'on arrive aux abords du circuit. Bon, alors là on arrive vers le circuit Paul Ricard. Ça commence à être bouché, on est vraiment arrêté à 0 km/h. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Là, Saint-Aubin tout là. Et voilà la petite Clio 4S devant où la 206 elle est reflétée. Bon là on est sur le circuit, voilà, vers l'accès VIP. Devant moi il y a deux Alfa Romeo Giulia, magnifique. Et derrière moi, bon, maintenant ils sont plus, mais il y avait deux Alpine A110, magnifique. Regardez le petit jet privé là-bas, magnifique. Et d'un coup je me tourne, d'un coup j'entends deux gros moteurs à l'arrière, d'un coup, ouf, deux Alpine A110, j'étais choqué. Enfin, je suis encore choqué. Après une Carrera 4S qui est passée, magnifique. Oh ce bruit, je crois que j'ai jamais entendu, c'est magnifique. Oh le bruit que ça fait. Les seules fois où je suis allé au circuit, c'était pour le rallye de la Saint-Aubin, j'y suis allé une fois. Et après c'était un grand prix de camion je crois. Mais j'y suis jamais allé pour ce genre d'événement. Donc je suis très content d'y aller. Regardez-moi les deux Alpine A110 là, magnifique. C'est bon, je viens de passer mon billet et là regardez tout ce qu'il y a. Là il y a Murcielago, Julia, je veux dire Julia, je sais pas. Alpine A110 là-bas. Que des voitures de fou. Là je passe dans les entrailles du circuit Paul Ricard, magnifique. Les gars, on commence à être sur le circuit là, il y a un bar rival devant moi. Oh c'est magnifique. Oh lolo. Petite moto et tout, incroyable. Il y a des voitures de fou. Toutes les voitures que vous pouvez imaginer, elles y sont. Mais c'est un truc de fou. Il y a du monde partout et tout dans les gradins. Oh lolo. J'ai mis, je sais pas quelle heure c'est, je vais mettre une heure. Enfin, j'ai dû mettre 45 minutes pour rentrer dans le circuit. 30 minutes, 45 minutes. C'est incroyable. Il y a des Suisses, il y a des Allemands, il y a des Espagnols, il y a des Anglais, tout, il y a tout. Bon, je suis garé juste là, juste à côté du karting. La petite Clio 3 RS. Regardez-moi ces deux BM, comme elles sont magnifiques. Les jantes de la bleue, là, en or comme ça, bronze, magnifique. C'est abusé le nombre de voitures qu'il y a, c'est trop bien.
jusque tout là-bas. Là, il y avait une ronde ancienne, je vais voir les anciennes et après je fais toutes celles-là. Bon, enfin, c'est magnifique. En tout cas, je connais pas trop. Ah, il me semble que je l'ai filmé quand il y a eu la montée historique du Cérest. Je sais pas. Attends, c'est la même, mais c'est pas la même. Oh, McLaren. Il y a plein de Porsche. C'est quoi ça? Je connais pas. Magnifique, que des Porsche. Ferrari, on va la voir juste après. Je vais voir ce que c'est exactement le nom de la jaune. Je sais pas. C'est un V8. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est comme véhicule. Enfin, comme marque et tout. Je connais pas du tout. Après, les Porsche comme ça, magnifique. C'est pas trop les styles que je préfère comme celle-là, mais c'est trop bien. Regardez-moi cette M2, comment elle est magnifique. Elle est méchante. Je trouve que c'est gavé pour la bande là. Elle est magnifique cette Carrera 4S. Pff, à côté d'une Carrera S, je préfère la Carrera 4S parce que comme les côtés ils sont élargis un peu comme la Turbo 2. Magnifique. Là c'est un peu une ancienne, je ne connais pas mais magnifique. Donc là on est à un petit parking magnifique. Elles ont roulé, toutes les voitures que je vais vous montrer là, elles ont roulé sur le circuit. Subaru, Mégane 4S, les Giulia, celle qui était devant moi tout à l'heure. Speedster, Alpine. Lamborghini, M2 il me semble. C'est magnifique. Et ça va jusque tout. Putain. Et on a plein d'Alpine. Il y a un nombre de voitures incroyable. Il y en a toujours partout. Partout où tu vois, tu peux t'arrêter et rester 10 minutes dessus. C'est incroyable. Ouais, il y en a énormément des Alpine à Saint-Just. Mégane 4 RS. Ah bah je vais vous montrer les deux Alpines qu'il y avait derrière moi quand on a tourné. C'est tout petit et c'est tout bas. Regardez comparé à moi. Ok,
et une deuxième à côté. Magnifique. Putain, mais il y a un nombre de Porsche aussi, c'est incroyable, je pourrais rester. En fait, sur chaque voiture, tu peux rester 10 minutes. C'est fou. Une McLaren. McLaren Lotus, pouf. C'est magnifique. Ouais. Ouais, c'est en carbone. Le toit est en carbone. C'est une 675 LT. Même celle-ci, elle est magnifique. Le... Je sais même pas comment on pourrait appeler ça. C'est un aileron, c'est quoi ça? C'est magnifique. Mais quand même, les plus belles de tout ça, c'est quand même ces deux-là. Renault 12 Gordini, que j'avais déjà filmé à la montée des historiques de Céreste. C'est incroyable, les sièges, on dirait. Les sièges, t'es calé, mais en même temps, t'es trop bien dedans. Et ensuite, Renault 5 Alpine Turbo. Elle est magnifique, c'est vraiment un canapé. Ah merde, je me suis trompé, en fait c'est une Renault 5 Alpine, c'est pas une Renault 5 Alpine Turbo. Ça doit faire 100 chevaux je pense. Et là il y a un peu les anciennes, elles étaient 1300, je connais pas trop mais c'est mythique, c'est mystique aussi. Enfin je dis voiture ancienne, il y a un C63 jusque là, petite mini. Putain mais c'est incroyable, je pourrais rester des heures ici. Là, il y a les voitures qu'ils ont roulées tout à l'heure. Magnifique. Ça vaut, je connais pas tous les modèles, mais ça fait un boulot. Merci. Oh, la dimension des pneus. Allez, vos stands d'Audi. Bam, direct 2 d'Audi. Ah ouais, tu le vois en plus. Ouais. Vraiment. Alors ça c'est des stands, tu pars, t'achètes tout. Oh, c'est magnifique. C'est immense. C'est en fait comme les Porsches, c'est horreur de Ferrari. Ils sont tous en train de se placer. Voilà, des bords. C'est magnifique. Regardez-moi tout ce monde.
taille des disques. Ventilé. C'est quoi ça? Alors là les gars, petit débrief, c'est 16h, c'est incroyable, c'est la première fois que je vois un truc de circuit comme ça. Bon, il y a énormément de monde, c'est super compliqué de se faufiler pour avoir une place ou quoi, pour filmer, enfin pour voir quoi. Même pour se garer c'était compliqué, mais c'est incroyable, t'as même pas... tu vois la voiture passer, mais t'entends les voitures qui sont de l'autre côté, il y en a qui repassent, incroyable. Je sais pas jusqu'à quelle heure je reste, jusqu'à pas trop tard je pense, parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de monde sur la route. Mais ouais. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.